Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez ajouter un second écran sur votre ordinateur sur Windows. Pour ce faire, vous faites un clic droit sur votre bureau n'importe où, puis ensuite vous allez sur Paramètres d'affichage. À ce moment-là, assurez-vous déjà d'avoir bien branché votre deuxième écran sur votre ordinateur, au moyen par exemple d'un câble HDMI. Lorsque c'est fait, normalement vous devriez déjà voir apparaître votre second écran juste ici dans Affichage. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer juste ici sur Détecter un autre affichage. Ensuite, lorsque le deuxième écran est enfin présent sur l'affichage juste ici, eh bien vous pouvez choisir le mode d'affichage. Par exemple, est-ce que vous souhaitez dupliquer votre écran numéro 1 sur votre écran numéro 2 ou est-ce que vous souhaitez plutôt étendre les affichages et donc pouvoir afficher des choses différentes sur chacun des deux écrans. Si vous choisissez l'option étendre, eh bien pour passer une fenêtre d'un écran à l'autre, vous aurez juste à la faire glisser sur un côté de l'écran pour aller atteindre donc le deuxième écran. Si vous souhaitez changer l'agencement virtuel de vos écrans, eh bien vous avez juste ici à cliquer sur l'écran et à le bouger où vous le souhaitez. Et lorsque c'est fait, vous cliquez sur « Appliquer ». Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.